Laurent Ruquier est en deuil suite à la mort d'Ée, une femme qui a beaucoup compté pour lui. C'est, et sur son compte Instagram que le présentateur fait son deuil. Monique Pantel est décédée le 14 avril 2021, à elle, âge de 88 ans. Très proche de Laurent Ruquier, elle, animateur, est touchée par cette perte, et a rendu un vibrant hommage à son ami sur Instagram. La critique de cinéma francaise Monique Pantel à Paris en mai 1994, France. Photo, Getty Images. Amitié de Laurent Ruquier et Monique Pantel commence sur le plan professionnel, lorsque elle, animateur, la recrute en 1997. Monique était chroniqueuse et critique de cinéma, et Laurent Ruquier décide de elle, employée pour faire le compte-rendu du Festival de Deauville. Monique Pantel sur le plateau de l'émission Ce soir ou jamais. Photo. Getty Images. Les deux ont également travaillé ensemble sur RTL dans Grosse Tête. Leur relation est devenue bien plus que professionnelle. Monique Pantel, surnommée Pampan, a gagné la sympathie de Laurent Ruquier et de bien des sur son compte Instagram. Laurent Ruquier a tenu à rendre hommage à cette bonne amie avec qui il a travaillé durant de nombreuses années. C'est, est avec une simple photo de Monique Pantel, tenant un téléphone, que Laurent Ruquier a décidé de lui souhaiter un beau revoir Monique Pantel. Comme tu disais, Marc, on aura bien ri quand même. A-t-il écrit en légende. Les internautes n'ont pas hésité à réagir face à ce beau geste, et ont à leur tour rendu hommage en commentaire. Christophe Beaugrand a aussi tenu à lui rendre un bel hommage sur sa story Instagram, en postant une photo de Laurent Ruquier aux côtés de Monique. Depuis de nombreuses années, Laurent Ruquier fait le bonheur des internautes avec diverses émissions. Pourtant, sur le plan familial, l'animateur n'est ni mari, ni papa. Dans une interview accordée à VSD, il se confie sur son désir de ne pas avoir d'enfant. Animateur Laurent Ruquier. Photo, Getty Images.